Eh bien le bonjour à tous et à toutes, c'est Besti. C'est une nouvelle vidéo que je suis en train de faire juste après la... celle d'avant. Donc, c'est la suite de Absolus de R7 sur PS5. Enfin, version PS4 sur PS5. Donc on va faire la suite directement, on enchaîne. On est encore en live du coup. Mais on enchaîne. Puis on va se faire Jack. Hein. C'est parti. Donc le mot de passe c'était 1408, hein, on est d'accord. Donc on va faire le chemin inverse et on va aller se faire ce boss. Enfin là c'est pas vraiment le boss, là c'est la partie de l'anniversaire en fait qu'on a vu dans la vidéo. Sauf que vu qu'on a vu dans la vidéo que ça explosait, parce qu'en fait quand on retire le... Comment le... Putain je sais plus que... La goupille en fait dans le tonneau, en fait le tonneau il est plein d'essence et il se renverse. Et vu qu'on sait ça, et ben on peut contrer le stratagème en fait. De Jack. Par contre, il me semble que je peux tout mettre parce qu'en fait, j'aurai pas d'inventaire. Et c'est ce qu'il va me dire d'ailleurs, il me semble. Il me semble qu'il le dit. Il dit ouais, tu peux pas rentrer si t'as pas ton inventaire qui est vide. Donc voilà. Donc on va faire ça. 1, 4, 0, 8. Voilà. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Bah non, mais bon, on est obligé. Passe une bonne journée. Ah, quel enfoiré. Donc là, il nous refait le même coup qu'avec... Putain, je sais même plus son nom. Bon, le gars dans la vidéo, en fait. Donc on a exactement le même... le même circuit en fait, avec les mêmes objets partout. Il a refait en fait le même truc quoi. Putain, je sais même plus c'était quoi le truc du bébé là. Oh, putain, fait chier. Donc là, faut surtout pas enlever ça. Hein. Et en fait, le mot de passe, bah on le sait. Que dirais-tu de jouer à un petit jeu? Tout ce que tu dois faire, c'est allumer la bougie. Le mettre sur le gâteau. Va chier du con. Ethan, ton langage. Il y a des enfants dans ce bâtiment. Et quelque part. Ah, enfin, je crois. J'en sais trop rien en fait. Ok. Ah putain, je crois que ça va m'exploser la gueule. Ah oui, voilà, ça fait ça. Donc là, faut... Faut se retirer un peu, sinon je crois on se fait cramer un peu la gueule. Alors en vrai je pourrais aller directement à la fin, mais on va faire en fait quand même des trucs assez rigolos. Genre le truc de la longue vue et tout, ça c'est assez drôle. En fait on peut faire tout le passage sans retirer la goupille. Ou on peut directement aller à la fin, mais on va faire ça quand même. Tac, ok, donc là c'est pendu. Cloche enfant, ok. Cloche et enfant. You. On va cramer. Mais non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tac. Heureusement qu'on l'a trouvé cette vidéo. Hein. Tiens toi, je te redonne ton doigt, parce que tu me fais pitié. Vite, hop. En fait, on connaît déjà le mot de passe. Donc on peut tricher avec ça. Tac, le ballon, on peut le récupérer. Ce qui est bien, c'est qu'on peut récupérer aussi la vanne, direct. Loser. Tac, voilà. Et du coup, bah là, on l'a baisé. Bon, après, je pourrais faire le truc de la vanne. Enfin, le truc du ballon, là, si vous voulez. Ça apporte pas grand-chose, à part se faire, voilà, tirer dessus.
Exactement comme dans la vidéo en plus, c'est ça qui est rigolo. Et aïe, ça fait mal. Ok. Tu vois la plume là par exemple, on peut lui donner. Voilà. Sauf qu'on va pas s'en servir, et non. Parce qu'on fait ça. Et la bombe, on va la mettre dans le truc là-bas, là, vous allez voir. Tac. Et voilà, ça a pas explosé. Putain, il nous a renvoyé une bombe. Du coup, on a 20 secondes. Et là, on va faire ça. Voilà, on va la foutre derrière, en fait. Et là, paf! Enfin, faut attendre 20 secondes. Voilà. C'était censé être pour toi, putain de merde. Eh ben non, désolé. Je ne me ferai pas avoir à ça. Voilà, Lucas, il était là. Mia? 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 Qui es-tu? Où êtes-vous? On est au bout de la jetée, à l'extérieur de cette pièce. C'est Mia et Zoé. Bon alors, Ethan. Qu'est-ce que tu veux? T'as... mort? Le moment est pas encore venu. Pas encore. Quelle chance. Écoute, à moins que t'aies d'autres surprises dans ta manche, je te conseille... Oh, oh, oh. Ce serait très compté la fin, Ethan. Et je déteste les spoilers. Donc, Au moins on a récupéré ça. Tête de série D. On récupère le plan de la zone de test, ça peut servir aussi, on sait jamais. On va pouvoir récupérer notre inventaire. On va jeter ça, on va jeter ça. Le couteau, on récupère ça, on récupère ça, on récupère ça, on récupère. Ça, 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 et bah c'est tout. Si, il y avait les crochets aussi, mais est-ce que ça sert vraiment les crochets, je sais pas. Je vais plutôt faire ça. Tac et tac, ok. Le problème là, c'est qu'on a pas beaucoup de balles. Et que du coup là pour aller le tuer le boss ça va être un peu galère parce qu'il est assez dur en plus comme comme boss. Après on a pas mal de vie mais on a pas beaucoup de balles. Donc, c'est un peu ça qui est chiant. On va sauvegarder. On va toujours sauvegarder, on sait jamais. Nouvelle sauvegarde. Là, on va pas louper un Mister Everywhere qui est là-haut. Alors attendez, on va changer de balle quand même. Voilà, il est juste là. On le loupe pas, celui-là. Et puis, bah c'est parti. Hein. On va changer de balle. On va prendre ça. Et let's go. Hello. Ah putain, faut la manivelle. Non, me dis pas ça. Petite munition. Ah putain, il veut que je prenne la manivelle. Oh, mais quelle bande d'enflure, quoi. Elle va me faire chier, cette manivelle, en vrai. Oh putain, on récupère pas mal de munitions, là, c'est cool. Faut la manivelle. Manivelle, manivelle, où es-tu? Où est-ce que je t'ai mise? Tu es là. Ok.
Je crois qu'après on l'a plus la manivelle là, ça y est, c'est fini. Hein. Putain, si on l'a encore. Putain, on va aller jeter ça. Putain, je me traîne, c'est ouf. Ok, allez, let's go. Putain, on a quand même pas beaucoup de balles. Hein. Ça pue, hein, moi je vous le dis. J'arrive, Mia. Ouais, enfin, t'arrives. Ça sent tellement mauvais. Je crois qu'il faut aller à gauche, mais on peut aller à droite. Ouais, c'est ça, on peut aller à droite. Parce qu'à droite, je crois qu'il y a des trucs à ramasser. Ok, là il y a un Mr. Everywhere. On l'oublie pas. On récupère des balles, le fluide chimique. Ça, est-ce que ça me pète à la gueule? Non. Du combustible, ok. C'est chiant parce que le lance-flamme, c'est pas... comment dire? C'est pas l'arme la plus pétée du jeu, quoi. Donc c'est un peu relou. Ok. J'espère juste que je peux sauvegarder après. Ça serait bien. Merde. Je suis pas au bon endroit, là. Putain, il me faut aussi la manivelle, là. Oh là là. Oh, putain, le combustible, on en a, par contre. Oh, pétard. Culé. Ah ouais, mais là, vous... Ah ouais, d'accord. Ouais. J'aime bien, tu sais, juste avant un petit boss... Voilà, regarde, on te met pas mal de trucs là. Surtout qu'on te dit pas... tu sais, on te dit pas genre, oui, hein, la manivelle, t'en as besoin tout le temps maintenant. Putain, comment gaspiller des balles, quoi. Fait chier. C'est pas grave, allez. On continue. Pourquoi la musique, elle s'emballe encore, là? Mais arrêtez! La musique qui s'emballe comme s'il y avait encore un ennemi. J'ai pas la manivelle. Donc on est baisé. Manivelle. 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 Oh putain. Ok. Vas-y, on garde ce qu'on a. J'espère que Lucas il craint le lance-flamme parce que pff, ça va être un peu relou hein, s'il le craint pas. Je me souviens même plus trop comment on bat ce boss en fait. Parce que je sais qu'il va, bah, il va se transformer forcément. Ça va être un truc énorme, genre gigantesque. Mais Et pourquoi la musique elle s'emballe, genre il n'y a plus d'ennemis? C'est n'importe quoi. Je sais pas, la musique elle s'emballe. Ah ok, bah dès qu'on a plus besoin du... Ah bah si, elle est encore là. Okay. C'est génial. Pas un monstre qui pop sur le pont là, non? Putain. Sûr, ça va jaillir du pont là. Regardez. Non? Putain, j'en étais sûr. D'accord. Tu te calmes, merci. Bonjour. J'ai raté deux balles. Ah, ok. Là, je préfère. D'accord. Ok, on récupère ça, on récupère ça, on récupère... Oh, lance-grenade. Non, il y a le lance-grenade ici. Oh, mais les balles de flingue, mais ça sert tellement à rien. Arrêtez de me donner ça. Tiens, mange les psychostimulants, c'est bon ça.
Du coup, ça, on s'en fout. On va faire un truc, on va faire ça. Et on va le consommer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, pas grand-chose. Putain, ça, je suis sûr, on va avoir le lance-grenade, c'est sûr. Donc, à mon avis... Bah, à mon avis, il faut que je prenne les grenades. Ok. Oh putain, mais c'est la fête! J'avais pas vu ça. D'accord. Du fluide chimique. On va quand même garder tout ça, parce qu'on sait jamais. Ça peut être utile. Je pense qu'au niveau des soins, je suis pas mal. J'ai quasiment 7 soins, là. À ma disposition. Je pense qu'on est, pas mal. Hop, on recharge, on va sauvegarder. Et on va aller affronter ce petit boss. Et j'espère qu'après le boss, il y a une salle comme ça où on peut sauvegarder, parce que je pense que ça sera la fin de la vidéo. Parce que j'aimerais pas aller trop loin, parce que là on va arriver dans la deuxième partie du jeu. Et en fait, t'as pas vraiment beaucoup d'endroits pour sauvegarder, là où on va aller. Par contre, je vais faire un truc. C'est genre le couteau. Couteau, j'ai envie de l'enlever en fait. Parce que... Il me semble que ça me servira à rien. Vu que je vais avoir le lance-grenade. Il me semble. Hein. Allez, c'est parti! Les ingrédients. Ah putain, il me faut les ingrédients, la loose. Aïe, bah attends. Je savais pas ça, moi. Je crois, il me semblait que j'allais affronter le boss direct. Attends, je te donne ça tout de suite. La tête et le bras, ok. J'espère que je vais pas le garder, parce que là, j'ai plus de place dans mon inventaire. Dépêche-toi de me donner les ingrédients du sérum. Oui, bah tiens. Ça suffira, non? Si on les fabrique assez vite. Mon père et Lucas ne sont pas loin. Il arrive. Papa arrive. Bien. Il y en a assez pour deux. Bon, on fait le sérum et ensuite... Il y a un bateau dehors. On traversera le marais avec. Mais aucun de nous n'ira loin sans le sérum. Il y en a un pour moi. Aïe. Mais allez, vas-y! Ah! Il me gère dessus, quoi. Putain, enfoiré. Ok, là on est pas mal. Aïe.
qu'on peut. Voilà, faire ça. Désolé. D'accord, raté. C'est con, hein. Putain, je vise très mal. Je crois qu'il faut péter tous ses yeux, on est d'accord. Du coup, bah... ça va être compliqué. D'accord. Je peux remonter là tranquille? Sérieux? Il me laisse remonter tranquille? Mais attends, ma vie elle a augmenté mais genre pour me soigner c'est la galère quand même. Recharge! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, j'ai oublié de remettre la caméra. Je galère depuis tout à l'heure. Il me semble qu'il reste un œil. Mais ferme-la, toi! T'es relou. Il me semblait que j'avais le lance-grenade à ce niveau-là, là, mais... Putain, il me reste un œil, mais il est où son dernier œil là? C'est une blague? Oh putain, tu fais chier. Je sais pas où il est ton œil, alors... tant de cramer, hein. Putain, mais où est-ce qu'il est, là, ton œil? What the fuck, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, putain, il est là! Courir, courir. D'accord. Recharge! Et vite! Ouais. Elle est où sa tête? Oh putain, elle était là. Ok, bon là normalement il est mort. Normalement, hein. Putain, je crois que j'ai tout vu aussi, hein. Hello! Ethan, par ici. Ok. Que maintenant il reste qu'un sérum, donc là c'est la merde. Ouais, donc je voulais me soigner, c'est ça que je voulais faire. Sauf que je vais pas utiliser. Je peux utiliser ça, si. Bon, comme ça on se remet full vie.
Et là, il est pété le truc là, non ? Ok. Alors là, on a un choix crucial à faire au niveau du jeu, qui amène en fait à deux fins. C'est soit on sauve Zoé avec le sérum, soit on sauve Mia. La bonne fin, enfin, la fin qui est normalement la bonne si on veut aller vers Resident Evil 8 et vers le DLC de Zoé, c'est de sauver Mia. Et c'est la fin la plus logique en fait, parce que c'est notre femme, on est d'accord. Donc voilà, bah on va voir ça. Hein. J'ai dû en utiliser un. Il n'en reste plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Dis-moi que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Alors, donc là, bah, on va soigner Mia. Hein. C'est bon. C'était idiot de penser que je pourrais m'échapper. Mais Zoé, partez ! Partez tous les deux ! Viens avec nous. Je suis sûre que quelqu'un peut t'aider. C'est chez moi. Apparemment, ma place est ici. J'enverrai de l'aide. Pas la peine. Il n'y aura plus personne à secourir. Ethan ? Merci. Qui d'autre aurais-je pu choisir ? Ethan ! Mia, je sais ce que tu as enduré. Mais il faut qu'on parle. Tu as quelque chose à voir avec tout ça, hein ? Écoute, je veux juste la vérité. Ethan, je te jure que je ne me souviens pas. Essaye. C'est le bateau. Comment est-ce qu'il est arrivé là ? Et là on joue Mia, évidemment, on n'a pas de stuff. Un étrange flacon traîne à votre réveil chez les Baker, c'est probablement important. Alors attendez, on veut voir ça. C'est quoi ça? E001. Ah, c'est l'échantillon du virus 001, qui est Evelyn, évidemment. Évidemment, ok, d'accord. Alors attendez. Alors forcément on est obligé d'avancer. J'aimerais bien trouver un point de sauvegarde parce que je pense qu'on va s'arrêter là, ça fera une vidéo de 30 minutes, mais bon, c'est pas trop mal. Et parce que là, pour la suite, ça va être un peu tendax. Oh, bonjour, docteur. Ah non, c'est Ethan. Oh, putain, je l'ai pas reconnu. Putain, les bâtards, ils ont embarqué mon mari. Mais laisse tomber. Ouais, ok, alors attendez. Ethan. Ah oui, attends, je peux même pas passer par là, d'accord. Putain, mais on a pas d'armes et tout. Oh, c'est la galère. Ah ouais, je me rappelle de ce passage. C'est vraiment fou. Par contre, c'est la merde s'il n'y a pas de checkpoint, là.
Ça me plaît pas trop qu'il n'y ait pas de point de sauvegarde. Oh là, les screamers, on va en avoir, moi je vous le dis. Sûr et certain. Alors ce bateau est très important, pourquoi? Parce que... Bah parce que, tout simplement. Je sais pas si je vous le dis ou pas. Est-ce qu'il y a un point de sauvegarde? Putain, je me souviens plus. Je crois que c'est une longue phase où justement t'as pas de point de sauvegarde. Merde, je viens de faire de la merde. Attendez, je règle juste un truc vite fait parce que j'ai fait du caca. Ok, c'est bon. C'est bon. Pas très rassurant tout ça, surtout quand on n'a pas d'armes. Ok. Qu'est-ce que c'était ? Bah des flashbacks, Mia, parce que t'étais dans ce bateau, hein. Tu nous l'as fait pas ? Putain, une salle avec un point de sauvegarde, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord, bonjour, effectivement. Bah je suis obligé de passer par là, d'accord. Oh putain, je déteste ce niveau là, putain, on stresse et j'ai peur. J'ai peur. Flashback? Oui, flashback. Ah ou pas? Pas de flashback? Sérieux? D'accord. Ah si, on va en avoir un là normalement. Il me semble qu'il y a un flashback là ici. Voilà. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Qu'est-ce que tu dis? La salle des machines. Putain, qu'est-ce que tu racontes? Elle les a tous tués. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Il nous faut des armes. Est-ce qu'il y a des armes sur ce navire? Je sais rien. Mais... on passe par là, on peut peut-être sortir d'ici. C'est toujours rassurant. Bah let's go hein. Alors, il me semble qu'il y a l'arme anti-infectée. Ou alors c'est à la fin, c'est Chris qui va nous le donner. Je crois que c'est Chris qui va nous le donner. Il me semblait qu'il y avait une arme ici à récupérer. Génial. Les bruits qui te mettent pas du tout la pression. Il y a une pièce antique ici, on l'oublie pas. Voilà, parce qu'il y aura des trucs à ramasser tout le long. Sauf des armes, hein, bien sûr. Ça serait trop sympathique. Putain. D'accord. Oh putain. Par où faut aller? D'accord. Et il y a une porte. Il y a plusieurs portes, même. Il y a un livre, registre de l'équipage. Je crois qu'il y a Mia là-dedans, non? Attendez. Non, il n'y a pas Mia, d'accord. Il y a marqué quoi? Elle n'est pas ma fille, d'accord. Bonjour. D'accord, ok. Oh putain, je déteste ce jeu. Bonjour, bonjour. C'est moi. Je. Ok, d'accord, là y a rien. D'accord. Pourquoi pas? J'imagine qu'il faut que je continue par là, d'accord. Putain,
Putain, une salle avec un point de sauvegarde, quoi, c'est trop demandé. Wow. Est-ce que tu te souviens? Quoi? Qui as-tu? Non mais, hey, c'est une fille qui fait flipper ça, sérieux. Sérieusement, quoi. La blague. Est-ce que tu te souviens qu'il y a des monstres qui vont t'attaquer? Putain, horrible fillette quoi. Pff, j'en peux plus. Quand on est à 36 minutes, la vidéo va faire 1 heure. Parce que il me semble qu'il n'y a qu'un point de sauvegarde. Et pour le débloquer, je crois qu'il faut un truc pour ouvrir une porte. Genre un acide ou un truc comme ça. Ah, bonjour monsieur. D'accord. On n'oublie pas la pièce antique qui est... dans l'eau ici. Puis bah après on continue hein. Tu as dit qu'on pourrait être une famille. De quoi est-ce que tu parles? Tu l'as dit. Ok. T'es pas obligé de t'énerver. Et là on va arriver dans une phase de jeu. Le truc trop pas rassurant. Alors pour ouvrir ces portes, faut de l'acide. Bonjour. Je vais juste que passer. Jeannette, j'espère que tu vas bien. J'imagine que 6 mois se seront déjà écoulés lorsque tu liras cette lettre. Je l'entends marcher en fait, c'est horrible. La vie est si ennuyeuse ici, tous les jours c'est la même chose, la mer encore et toujours. Enfin, il y a tout de même un peu de nouveauté cette fois-ci. Nous avons des passagers à bord, ce qui n'arrive presque jamais. C'est un couple avec une petite fille. Je pense que ce sont des parents éloignés du capitaine. Tu t'imagines, toi, voyager sur un pétrolier au lieu d'un navire de croisière, doit vraiment être fauché. J'ai essayé de parler à la petite tout à l'heure, mais son père m'a jeté un regard glacial. Pourquoi est-il aussi méfiant? Maintenant que j'y pense, il me semble que le capitaine a dit qu'il n'avait pas de famille. Peut-être que je m'en fais pour rien. Tu me manques, je t'aime, Jim. Voilà, c'est en rapport évidemment à la fillette, hein, qui n'est pas tout à fait normale. Pourquoi je peux examiner ça? Quel est l'intérêt? Vous l'entendez marcher là, dans le couloir? Le truc là? Et tu peux rien faire parce que tu n'as pas d'arme. Donc bah tu es obligé de... bah de te démerder quoi. Putain, ah ouais, j'ai même pas de couteau, genre ça tu vois je peux pas le péter par exemple. Il est déjà trop tard pour nous, mais au moins je peux informer le monde de ce qui nous est arrivé ici. Comme j'étais de nuit hier, j'ai fait une sieste dans le dortoir vers midi. J'étais à moitié endormi quand j'ai entendu le rire d'une gamine, ou peut-être que c'était dans ma tête. Je me suis levé à 19h30, il y avait du grabuge dans le couloir. Drew, l'un de nos mécaniciens, est entré et a dit que quelque chose se passait en bas, peut-être une mutinerie, son visage était blême. Il a décidé d'aller voir, mais il n'est jamais revenu. Il devait être environ 19h50 quand j'ai entendu des hurlements. Je me suis rendu à la buanderie et j'ai vu Clark en train de se faire dévorer par une sorte de monstre tout noir. Cette chose s'est ensuite retournée et a commencé à venir dans ma direction en faisant claquer ses énormes dents pointues. Semblable à celle d'un requin, j'ai crié comme une fillette et pris mes jambes à mon cou. À l'heure où j'écris Céline, je suis recroquevillé dans le dortoir avec la peur d'être dévoré à mon tour. Les couloirs sont déjà infestés de ces créatures et il m'arrive encore d'entendre des hurlements. Mais il est hors de question que je quitte ma cachette pour le moment. J'espère que quelqu'un trouvera cette lettre. Giovanni Finetti, ok. Je peux prendre du psychostimulant. Est-ce que ça me sert? Non. Ok, on va quand même l'utiliser parce qu'on a peut-être raté des trucs. Oui, là on a raté des balles par exemple. Des balles, mais on n'a pas de pistolet, donc ça sert vachement à quelque chose. J'ai envie de dire. Ah, ok. Là, il y a quelque chose, mais on peut pas le ramasser. Bonjour. Alors, on va tracer. Là, il y a une porte ouverte. Ah, peut-être une arme dans ce casier? Ça m'a l'air d'être le cas. Là, y a rien. Et là... un pistolet! Mais bien sûr, mais on adore ça, un pistolet. Ça fait tellement plaisir. Et en plus, il y a un truc de sauvegarde. Et on va sauvegarder ici. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à lâcher un commentaire, à partager la vidéo. Quant à moi, je vous retrouverai pour la suite de Resident Evil 7. Peut-être la fin. Non, je pense pas que ça soit la fin, parce qu'il nous restera encore pas mal de trucs. Peut-être l'avant-dernière vidéo. Quant à moi, je vous dis bonne soirée, vidéo et à plus tout le monde. Ciao, ciao!